190 ในที่กรงพุ่งเป่งเมียนกัมพูวยแมทฮอกซ์ La Miss Campagne numéro 12, mademoiselle Tha Caridona. Elle est née le 19 mai 1987 à Villeneuve-Saint-Georges. Elle mesure 1m62. Kenya Caridona, quand elle est née, 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 le Vinus Saint-Georges, la mine comme vous, mais ma house a pis. Pas qu'un arrêt de mine personnelle, les tabais sont pour manger que n'y a pas de chauve, Isabelle. La Miss Campagne numéro 13, mademoiselle Mao Chovy Isabelle. Elle est née le 20 mars 1992 à Oyonnax. Elle mesure 1m64. Kenya Mao Chovy Isabelle, qu'elle est née le 20 mars 1992 à Oyonnax. La Miss Campagne numéro 14, mademoiselle Sok Sreila, née le 21 février 1989 à Phnom Penh. Elle mesure 1m64. Kenya Sok Sreila, qu'à notre Haïti, me fait mouiller Kaipi, je n'ai pas de bon boy, pas de bon boy, ne t'y compte pas, mais quand on arrive à mettre la slade et d'opper un son, que l'on peut gagner, change ceci. La Miss Campagne qui porte le numéro 15, mademoiselle Cheng Stacy. Elle est née le 8 novembre 1995 à Évry-Courcouronnes. Elle mesure 1m65. Kenya Cheng Stacy, Kanatnaï, Tibrabaï, Kanda, Mouchnama, Borboroi, Kassapram, Évry-Courcouronnes, Damien Kapou, Mouimait, Hopsapram. La Miss Campagne numéro 16, mademoiselle Claude Caroline Sovanarat. Elle est née le 5 janvier 1990 à Kompong Cham. Elle mesure 1m70. Kenya Claude Caroline, car notre Haïti Pram, Kambuch, Namapon, Boroy, Kassam. La Miss Campagne numéro 17, mademoiselle Say Cindy. 1993 à Choisy le Roi.
White Canary tiang top pan pi ru da bang hai chun oh lo lo srei ni nieng kanya na chot ti 1 knong samlep bapak chong kaban oh lo lo srei ni nieng kanya sriep srap hai prateh kampuchea chea prateh 1 thit na knong kumphi asia khne dael mien arayatho do rung rieng tang pi samai puranakal mo ចំពោះវប្បធម៌និងស្ថាបត្យកម្មនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចែកចេញជាបីសម័យកាលទី1សម័យមុនអង្គរគឺសម័យរជ្ជកាលអង្គរធំនិងរជ្ជកាលចេនឡាទី2គឺសម័យមហាអង្គរគឺសម័យអង្គរទី3សម័យក្រោយអង្គរគឺសម័យឧដុង្គលង្វែកនិងសម័យចក្រភពរហូតដល់សម័យសព្វថ្ងៃនេះ ដោយឡែកឯកសារស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីក្នុងរាត្រីនេះជាផ្នែកមួយដើម្បីការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនាសម័យទាំងនោះផងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនា Le caban est un tissu en bas du corps qui se porte en roulant autour de la taille des filles ou des garçons. C'est un des vêtements traditionnels le plus vieux du continent du Sud-Asie, porté par les Cambodgiens depuis le temps du temple d'Angkor et resté dans la culture khmère de génération en génération. Le jongkaban, c'est un morceau de tissu rectangulaire mesurant 3 mètres de long et 1 mètre de large. Il est porté généralement autour de la taille, l'étirant loin du corps, tordant les extrémités ensemble, puis tirant le tissu entre les jambes tordues et rentrant dans le dos de la ceinture. Ce vêtement est aussi le choix des Cambodgiens pour aller à la pagode ou pour assister à des cérémonies religieuses. Les personnes âgées, hommes ou femmes, grand-père ou grand-mère, préfèrent le jongkaban contrairement à la sapot, car il est à la fois un pantalon et une jupe. Le jongkaban est également porté lors d'un mariage khmer. Il est porté par la mariée et le marié, et aussi par les garçons et les filles d'honneur. Les couleurs choisies sont souvent très brillantes et très vives, afin de montrer la clarté, la pureté et l'amour de deux êtres humains qui se lient par le lien d'un mariage religieux. សូមអរគុណបាទឈុតទី1ជាឈុតចងក្បិនបានរំលងពីចក្ខុអារម្មណ៍របស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទៅហើយដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យបេក្ខនារីរបស់យើងទៅផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់សូមទោះជាប់មាត់ហើយពេលល្ងាចពេកទៅល្ងាចដើម្បីឲ្យបេក្ខនារីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់សូមអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញារីរីជាមួយនឹងរបាំដួងច័ន្ទសម្ដែងជូនដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញា
ដោយ ក្រុម របាំ ព្រះ រាជ ទ្រព្យ ដូច តទៅ ទៅ សូម គោរព អញ្ជើញ Je tiens à souligner que la danse Dongchan est un essai chorégraphique très inspiré par la danse classique du Cambodge. Cette danse classique est à l'origine d'une danse sacrée et relève de la dévotion aux dieux. Cette tradition s'est perpétuée dans la civilisation Khmer depuis l'époque d'Angkor, comme on conteste les bas-reliefs du temple d'Angkor Wat. Les mouvements sont gracieux, lents et se composent de gestes bien précis et codifiés. Chacun de ces gestes a une signification, notamment pour exprimer des sentiments, pour raconter une histoire ou pour communiquer entre les danseurs. La danse Robam Dongchan Pakrom Robam Preah Richine Troa. Chan Come.